Alors, c'est parti pour un nouveau Cali Smas, Cali Vlog, je sais pas, Smas peut-être, oui Cali Smas, en ce 1er décembre 2024, c'est parti. Bon, je vais vous faire toujours des vlogs sur plusieurs jours, mais là j'ai hésité à faire en rentrant ou pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours, mais je vais faire quand même parce que je pense qu'on... Enfin, j'espère qu'à un moment donné on fera la déco de Noël, qu'on va enfin se mettre en mode Noël, il faut qu'on ouvre nos calendriers. Avant toute chose, il va falloir que je range tout ce bordel. Parce qu'on est revenu hier soir de nos vacances des exilés et qu'il y en a partout hier soir après 10 heures de route, j'avais pas la foi. Voilà, Lana dort encore, Nico est allé à la salle et voilà, c'est parti. J'ai traîné dans le lit, hein, je viens pas juste de me réveiller. Je vais pas aller courir aujourd'hui parce que j'ai trop de trucs à faire. J'irai courir demain et jeudi parce que dimanche on sera en compète, donc je pourrai pas. Voilà, allez, c'est parti, je vous embarque. En décembre. Bah oui, on est en décembre. Et ton coiffeur, il est mort depuis juillet, Nicolas. La coiffeuse, j'aimerais bien, j'ai essayé de prendre... Il y a un coiffeur au bout de la rue, Nicolas. Ça fait plusieurs jours d'essayer de prendre rendez-vous, ben... Oui, bah c'est sûr qu'hier, à 22h, après 10 heures de route, tu m'excuseras. Il est à fond là-dedans, là. C'est la passion de sa vie depuis des semaines. Et donc, bah, qui dit 1er décembre, dit... Ouverture du calendrier de l'Avent. Ça, c'est le mien, c'est des puzzles. Et à la fin, ça fait un gros puzzle. C'est le tien, papa. Ouais, Nico aussi, il a le sien. Il a celui de Nespresso. Donc moi je suppose que c'est dans l'ordre comme ça. Ah oui, on en parle de Lana qui vient de se lever, enfin que je viens de réveiller parce que j'en ai besoin. J'ai mis mon réveil à 8h. Oui oui, alors ça fait plusieurs jours qu'elle me fait la blague. Ah ben, c'est sûr que si tu refermes les yeux, c'est foutu. Donc normalement il y a 42 petites pièces par... Tu sais pas ce que c'est? Ben, je pense que c'est dans l'ordre comme ça. Peut-être pas. On va voir. Attends, il y a un museau. Ouais, c'est ça. C'est lui. C'est nul. Ouais, il n'y a pas trop de suspense. Mais c'est trop bien. Ben, je m'en fiche. Moi, je veux juste faire un puzzle. Ben, toi! Alors, Lana, elle a Sephora. Tu lui as offert. Va chercher le tien, papa. Va chercher. Va chercher le tien. Et le sien, il est à côté de son café. Pourquoi dans la. Il faut que j'aille chercher le mien. D'ailleurs, pourquoi t'as un Starbucks? Pourquoi t'as un Starbucks? C'est ma récompense d'aller à la gym. Bah oui, mais okay. Ta récompense, c'est le numéro 1. Vas-y, ma chérie. Là, c'est Sephora. Sephora. Lana est à fond dans les produits de beauté, comme toutes les petites filles de son âge de nos jours, j'ai l'impression. Number one. Et par contre, ce qui est nul, c'est qu'ils ont mis derrière, ils ont mis tout ce qu'il y a dedans, donc on regarde pas. C'est... Vas-y, viens t'asseoir, mon chat. Oh. C'est un mascara. Non, ça, si c'est un mascara, c'est parfait, ils nous en font un pour les trompettes. Ok, ça c'est m'évite bon. D'acheter ça. Vas-y. Ah attends, on n'a pas bien vu, c'est quoi? C'est un mascara. Ah ben voilà, mascara compète. Regarde, t'as vu, il est trop beau. Ouais, et bah tu sais quoi? Je vais le prendre tout de suite, je vais le mettre direct dans le sac de compète, parce qu'on en a besoin. On a capté l'autre jour qu'il n'y en avait pas dans le sac. On était un peu embêtés, on a dû en emprunter. C'est bon. Vas-y mon chat, quoique si on met les fossiles, on met plus de mascara. Bref, on verra. Nico, c'est le Nespresso, meilleure idée de la Terre, je suis trop contente. Il est là, t'es aveugle. Ah oui. Je scannais, le gars qui a fait l'ordre, ben, il voulait qu'on s'embête. Mais apparemment, non. Qui c'est? Ah, c'est trop mignon. Forget about espresso. J'aime bien la traduction, c'est traduit. Traduit? Mm-hmm, expresso inoubliable. C'est trop bien que ça soit traduit. D'accord, mais comment c'est? Eh ben, expresso inoubliable. Tu te débrouilles. Bah oui, mais... Tu bois et tu dis si c'est bon. Et... Mais t'as pris le sable. Ben oui, il a pas compris. T'as vu ce que j'ai pris aussi? Mais c'est tout. Je le reprends. Qu'est-ce que tu l'as repris? Tu lui as pris un açaï réfraîcheur? Voilà. Avec un donut? Non, j'ai pas pris de donut. C'est bon, j'ai juste tout. Mais je prendrai un peu plus tard dans la journée. Ouais, bref. Il faut que je me trouve une petite table pour faire mon petit puzzle, moi. Il est 11h10. Je viens de tout ressortir parce qu'on a fait le tournage de son self-tape lundi avant de partir. Sauf que il y avait 15 secondes de trop, donc on doit tout recommencer. Je suis ravie parce que je suis quelqu'un qui adore refaire deux fois les mêmes choses. Voilà, formidable. Donc bref, on refait ça version temps pile poil, histoire que ce soit validé parce qu'en fait la deadline c'était aujourd'hui. Donc heureusement qu'on est rentré hier, j'ai envie de vous dire. Je vous retrouverai pour... Je sais pas, je vous retrouverai pour une intro à un moment donné, mais je sais pas en quelle année. Hein, parce que là, c'est, j'enchaîne, je viens de lui sécher les cheveux, parce qu'il faut qu'elle se lave les cheveux à chaque fois, comme ça, elle a les cheveux super beaux. Allez, on fait ça. C'est la musique de Noël d'Hawaï.
Christmas. Alors, bonjour à tous. Désolée, vous aurez pas mieux qu'une intro voiture parce que je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Du coup, c'est parti pour un nouveau Cali Vlog. Donc là, nous sommes dimanche 1er décembre, que je suis bête. Et je vais vous prendre jusqu'à jeudi et après vendredi, ce sera un vlog compète parce qu'on partira vendredi pour Portland avec Lana pour sa première compétition de la saison. Donc ça va être trop cool, mais ce sera un vlog à part entière parce que je veux pas mélanger les vlogs compète des vlogs normaux. Parce qu'il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas, donc comme ça, chacun regarde ce qu'il aime. Du coup, là il est 12h16, je n'ai pas mangé, j'ai pas eu le temps, je mangerai au retour tranquille. Je vais dans le downtown de San José et je vais aller voir la fille de mes amis qui performe sur scène. La dernière fois, je l'avais loupée, donc j'étais dégoûtée. Donc là, je veux absolument la voir. Après, je rentrerai à la maison. On a reçu des cheveux pour le cheer, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, pour essayer de lui faire avec des faux cheveux pour pas lui bousiller les siens. Ça a l'air top, ça a l'air très prometteur, mais je vais essayer parce qu'elle a une practice. Aujourd'hui elle a un entraînement parce qu'elles ont loupé, du coup à cause de Thanksgiving, elles ont loupé leur entraînement de cette semaine, de mercredi. Du coup ils rattrapent ce soir parce que normalement tout le monde est rentré. Et du coup je vais tester la coiffure parce qu'il faut qu'elle vienne en mode prête niveau des cheveux. Donc voilà. Et ce soir, j'irai voir le fils de Virginie qui fait une parade de Noël musicale parce que vous savez, il joue de la flûte. C'est lui qu'on va voir quand on va voir le marching band là, vous avez vu dans le dernier vlog que je vous mets dans le i. Et du coup, là, ce soir, il fait une espèce de parade de Noël, donc c'est un différent style. Et je suis très contente d'aller le voir. Donc voilà, ça, ce sera ce soir. Mais là, voilà, je vais aller voir ma petite Léna qui va faire une petite danse de Noël et ça va être trop cute. Et voilà, écoutez, je vous embarque. C'est un dimanche qui ne s'arrête pas. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller courir. J'irai demain, mais c'est, je crois que je vous l'ai déjà dit. Parce qu'il y avait ça, le safe tape, Lana m'a fait un truc super. Je suis pas sûre que j'ai le droit de vous montrer. Mais normalement, c'est bon cette fois-ci, j'espère, vraiment. Au pire, on est à la maison, c'est pas grave. On pourra plus facilement refaire s'il y a besoin. Avec la Joshua Tree, j'avais pas pris du tout mon matos d'éclairage, notamment. Donc, bref, c'est parti. Allez. Saint-José, downtown, Paris. Je voulais déjà montrer dans des vlogs compètes. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai aussi commandé mes cartes de vœux ce matin. J'ai zappé de vous dire. Je suis trop contente. On a fait une photo à Joshua Tree qui change un peu de la photo cheminée parce que j'en avais un peu marre. Je voulais un peu changer cette année. Écoutez, moi j'aime bien. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. En tout cas, je vous les mettrai en vente comme tous les ans. Depuis je sais pas combien d'années je fais ça. J'en ai commandé 150, il y en a une centaine qui part à ma famille et il y en a voilà, un petit peu plus de, enfin à peu près 50 qui sont en vente pour vous si ça vous intéresse. Et voilà, écoutez, j'arrive, je vais aller me garer et je vais aller voir ma petite princesse si je trouve une place. C'est toujours le problème dans les downtown. Parking dans cet hôtel là. All right, so I want to make sure that our crowd is giving them as much hype and energy as they're about to give y'all. So can I hear it one more time? Woo! That was okay. One more time. Woo! There we go. All right, our second to last group is our Dance Academy USA performance team Jazz, our 7 to 9 age group. Give it up, y'all. C'est à 9. Ah, ils sont nombreux, dis donc. Ouais, c'est très nombreux. C'est ça, la fille de ma question. Donc, elle est avec Léna. Tu cries Léna. Tu dis Léna. 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 1, 2, 3. Léna. Alors, je crois qu'elle nous a vu, elle nous a entendu. Et c'est qu'on est là. Nous sommes arrivés au downtown de Los Altos et il y a la parade de Noël où il y a notre flûtiste préféré qui va performer, qui va défiler. Et apparemment c'est une parade super chouette. Tout le monde a ramené sa chaise au camping. Et j'ai trop hâte de voir parce que du coup j'ai jamais vu. Je pense qu'ils vont passer là. Je pense qu'ils passent là. Virginie, on peut peut-être se mettre là, regarde là. Ils passent là, non?
Ah, ça, je sais pas. Je pense que ça passe comme ça. Ah, dans quel sens la parade? Ah, ça, je sais pas. Ils ont écrit à la craie leur nom et ils ont laissé leur chaise. Apparemment, depuis le matin, ils réservent. Ah oui, ils se sont fait des petits tapes avec des petits noms comme ça. Mais non. Du coup, je suppose qu'on peut pas se mettre devant. T'as pas le droit d'être marrant. D'accord. Ok. Bah, faut trouver un trou. Le banc aussi, il est réservé ou comment ça se passe? Ah, c'est dingue ça. Ah, le banc, il est pas réservé. On peut se mettre sur le banc à l'envers. Mais non. Les gens, ils réservent comme ça. Ok. Bon, bah, je découvre encore des choses, hein. Bon, en attendant que ça commence, on fait un tour. Et voilà, ils ont réservé leur emplacement soit à la craie, soit au scotch, soit avec un plaid. Et des chaises, forcément. C'est blindé. On a trouvé un tout petit coin, il n'y avait personne. Et on va être debout, enfin, on n'a pas pensé à prendre les chaises. Mais c'est dingue. Enfin, l'ambiance, elle est sympa. Trop fort. Ah ouais. Ah, elle a l'air trop beau. Et ils ont écrit leur nom, soit sur des feuilles, soit à la craie, pour histoire de dire hein, c'est pas ta place, bah si c'est écrit dessus. Hein. Trop fort, et c'est ouf parce que bah, voilà, c'est respecté, personne ne vole les chaises, personne ne vole les places. C'est dingue. Ah. Pedestrian traffic and vendor. Oh, ok. Ouais. Que j'entame ma 450e profession, coiffeuse, parce que ce monsieur-là... C'est vrai que t'en as plein des jobs. En fait, il refuse d'aller chez le coiffeur. Il refuse. Alors que ce serait bien. Nana, pas besoin de te voir en peignoir. Voilà. Il s'est pas coupé les cheveux depuis la France en juillet. Ah, ça c'est la vapeur d'eau de la douche de Lana, qui fait sonner le détecteur de fumée. Oh, ça c'est le chien qui devient fou, à chaque fois que ça sert. Ah bah c'est fini. Bon bref, j'ai des cheveux à couper apparemment. Dimanche soir à 21h. Juste tu me divises par deux, s'il te plaît. Parce qu'en plus il a des exigences. Bah juste tu divises par deux mais pas plus. Voilà. Je vous filme pas parce qu'il est pas coiffé, ça rend pas bien là. Puis là moitié à poil surtout. On cache en haut. Oui donc. Quoi voilà.
Avec les cheveux comme ça, c'est... Voilà. Bon. C'est bon. Allez, à demain. Lundi. Alors, nous sommes le 2 décembre, donc je vais faire... Ça, c'était hier. C'était le premier petit chien de mon calendrier de l'Avent. Je vais faire le deuxième tout de suite. Je vais chronométrer pour voir combien de temps je mets à faire ça. Ça m'intéresse. Je pense que c'est très, 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 très rapide parce que c'est quoi, 40 pièces, je crois, par 42 pièces par truc. Donc voilà. Et en même temps, je regarde ça. J'ai découvert la chaîne de Esprit Dog. Je ne connaissais pas du tout. Je ne comprends même pas que personne m'en ait parlé. J'adore. Ça, c'est le concept où... il aide quelqu'un à trouver un chien en refuge qui lui correspond et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, je suis en train de regarder ça. Je viens de voir que j'ai presque plus de batterie, donc je vais changer de batterie et on va faire le petit chrono de voir combien de temps je mets pour faire un petit puzzle du jour. <musique> 4 minutes 26. Franchement, c'est la meilleure solution pour faire des puzzles de 1000 pièces facilement. Voilà. Ah, je suis trop contente. Il est cute, hein? Trop cute. Trop, trop cute. Bref, allez, je vais aller m'attaquer à ranger mes valises parce que c'est bien beau de faire des puzzles, mais j'ai des trucs un peu plus urgents à faire. C'est lundi. Et lundi, c'est chaton. Ouh là là. Oh là là. Oh, c'est ma boutique. Il n'y en a plus que 3. Bettina, elle est partie en foster, en famille d'accueil. On a fait ces 2 semaines. Qu'est-ce que tu sens? Elle ne veut pas sortir. On essaie de jouer avec elle à distance. Cette merveille, elle est là. C'est en Réo en chat, hein. Désolée. C'est vrai. Elle est gentille, les deux, là. C'est qui veut la souris? Regardez-moi les patules arrière. Regardez-moi les patules arrière. Et elle joue. Elle joue avec le bâton. Non mais t'es trop belle. Trop belle maman. Trop belle. Oh t'es belle. Qu'est-ce que ça sent? Non mais ça, moi je craque. Le petit coussin est tout gros. Moi je craque. Hein? Que j'aimais déjà beaucoup. Qui est venu from nowhere se poser sur moi. Il faut que je parte dans pas trop longtemps. Je suis pas trop pressée parce que Lana a une pratique plus, un entraînement plus long ce soir. Mais comment vous voulez que je parte? Comment vous voulez que je parte là? Là? Le chat il s'est mis là, de lui-même. De lui-même. Parce que c'est pas le genre de chat que tu peux forcer. Hein. Oh mais l'amour ça. C'est l'amour ça. Le fond sonore, ne faites pas attention, c'est insupportable. Non mais les moustaches, les moustaches. Mardi. Alors, jour 3. Ah, t'as eu ça hier? C'est un vernis transparent? C'est peut-être un... J'avais deux trucs. Attends, Shine. Ah oui, mais c'est trop bien ça, c'est discret et tout, c'est génial. Trucs. Ah bon? Oui. Dans le même jour? Ouais, je pensais que c'était le 7 000. Ah, c'est la marque de la crème que je mets. C'est un nettoyant, ça. C'est pas une crème hydratante. T'as vu, c'est la marque du pot qu'on a. Ah oui, Jay, la française, là, dans ma crèche, elle a exactement le truc. Elle a le même calendrier? Oui, bah oui, bah, tous des Sephora Kids, j'ai envie de te dire. Non, oui, mais là, c'est là. Aussi. Alors lui, il a pas de calendrier parce que celui que j'avais acheté, il avait rendu un peu malade parce qu'il est Nico, n'importe quoi. Oreo, il est très sensible. Oh, il est joli. Ah bah, ça fait très cher. C'est marrant, je savais pas que c'est quoi. Ah bah, c'est tout ce qui est beauté, il y a des accessoires. Incroyable. Trop bien. C'est quoi? Ah, c'est le 1. Ah oui, ça, il faut le mettre dans le... Attends, donne-le-moi d'ailleurs. Je peux le mettre direct dans le truc de cheer, là, pour ce week-end. En plus, il est tout petit. Ah ouais, bah, pour le cheer, c'est parfait. Donc, j'ai plus les palmiers, mais j'ai une jolie vue au petit déjeuner. Qu'est-ce que tu fais là? T'es bien là? C'est moi qu'on parle. T'es à table? C'est moi qu'on parle. Mais je sais ce qu'il veut. Le matin, je sais ce qu'il veut. Réo, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux?
Tu vas à Trit? Ils sont où les Trit? Les seuls qui le font pas vomir. Alors si au saumon lui font vomir, ceux-là ça va. J'essaie de lui apprendre à coucher avec ça. Mais ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Oreo. Assis. Voilà, assis c'est bon. Coucher. Et on travaille dessus. Dans quelques jours on vous montre coucher. Coucher. Juste si tu comprends pas encore mon bibi, on travaille. Ça va le faire, on apprend. Oh, Puppy Eyes. Oui, entre le moment où je clique et le moment où il part, il se passe 3 secondes et du coup ça me coupe la moitié de mes phrases, c'est insupportable. Petite salade du mardi. Et bona. Betty. Ah, t'as sorti à percer. C'est joli. Ça, c'est assorti à ça et c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Alors, oui, j'ai plus de batterie. 3 décembre. Ne serait-ce pas de ça? Alors, il y a eu un gros débat sur où on le met. Moi, je voulais le mettre là, virer les poissons là-bas et mettre le sapin là. Bon, il y a cette lampe-là. De toute façon, elle va finir par dégager. Je ne peux pas me la voir. Mais Lana veut le mettre là. Voilà, elle veut le mettre là. Comme ça, de dehors, on le voit. Même si y a pas, personne ne le voit parce que c'est un mur derrière. Mais bon, écoutez, on va faire ça. Par contre, on va le coller. On va pas le faire tourner parce que sinon, le truc, on est obligé de le mettre super loin si on le fait tourner. Oui, mais bon, on n'est jamais dehors, quoi. Du coup, j'ai mis mon pull de Noël. On va aller se mettre des petites musiques de Noël et on va faire notre sapinoupino. Let's go. T'es prête? Apparemment, elle est prête. Let's go. Et la musique. C'est parti, mon... Oui, il faut mettre la musique, par contre. Et la musique. Et il n'y est pas. Je sais pas où est Google Home. C'est Google. Play some music. Christmas music. Christmas music, baby. Baby. Let's go! Tu devrais peut-être le mettre plus là, Google Home, hein. Je pense qu'il est chargé depuis, hein. Il est là depuis longtemps. C'est pas notre Christmas. Hey Google! Hey Google, play Christmas music! Sure, check out this Christmas music radio station on YouTube Music. 9.5 Hey Google! Elles sont complètement statiques. Je sais pas pourquoi, la vidéo c'est la fréquence, hein, je sais. Ça fait extrêmement bizarre d'avoir un sapin qui ne tourne pas. En fait, la prise qui tourne, elle marche plus pour la lumière, mais elle marche pour tourner. Mais comme je l'ai collé, ça frotte. Le fait qu'il tourne, il faut le décaler. Et bon, il n'y a déjà pas beaucoup de place. Je vais décaler la table hein, d'ailleurs, elle ne va pas rester là parce que là il y a beaucoup de place. On va la décaler pour que là ce soit plus facile d'accès. En tout cas, le sapin est fait, c'est toujours le même depuis qu'on a Lana. Hein. On l'a acheté quand on a eu Lana pour le premier Noël dans notre appart. Parce qu'avant à Paris, on n'avait absolument pas la place de mettre ça. C'est toujours les mêmes décos, il est toujours autant chargé. Toujours pas de guirlandes traditionnelles, mais des rubans. Voilà, beaucoup de souvenirs de voyage, beaucoup de cadeaux. Voilà, moi je l'aime très chargé comme ça. C'est comme ça.
Là, après, j'ai mis des petites décos par-ci, par-là. Donc là, j'ai mis ce truc-là, ici, là. Voilà, ça allait bien là. Alors, du coup, les chaussettes, on ne peut pas les mettre au-dessus de la cheminée parce que je vais vous montrer, la cheminée, elle chauffe, en fait. Donc, du coup, ça m'a pris. Lana était en train de mettre la guirlande et je fais, ah, mais attends, on va les mettre là. Donc, c'est chouette comme tout. C'est un peu chargé parce que 5, il n'y a pas beaucoup de rambardes. Là, elle a mis une guirlande là. Ça, c'est un truc qu'on avait trouvé à Dollar Tree. Je vous l'avais montré, d'ailleurs. C'était dans un cali. Pour Médusa, j'ai remis ça. Je crois que c'était Virginie qui m'avait acheté ces petites lampiottes. C'est très beau. Et après, vous allez voir, j'ai mis un peu des décos partout, en fait. Lana a fait ça. C'est pour ça que je l'avais pas beaucoup vu faire le sapin avec nous. Parce qu'elle était... Je voudrais que je vous montre deux jours. Elle est occupée à entourer un ruban. Elle a eu l'idée. Je trouve ça magnifique. Tout autour de la lampe. Je vous ai dit que j'ai du mal avec elle. Je pense qu'elle va sauter un jour. Sauf qu'en fait, elle est complètement fixée au mur. C'est ça qui me contrarie. Complètement fixée au mur, cette lampe. Enfin bref. Il y a un nœud là. Il y a un petit Papa Noël là. Et il y a le Joyeux Noël, Jessou, si tu passes par là. C'est toi qui me l'avais offert. Un swap de notre swap de Noël. J'ai mis un petit cœur là. Le petit sapin de voyage, comme on voyage. Ah, l'aquarium, il s'est éteint. C'est dommage. C'est plus joli que l'aquarium allumé. Donc, le petit ruban. J'ai ressorti mon plaid rouge. J'ai ressorti mon coussin de Noël. Je vais me faire plaisir, je crois. Je vais m'acheter des coussins. J'avais les rouges, mais je les avais donnés parce qu'ils étaient, pas très beaux à la fin. Ils étaient un peu abîmés. Et du coup, je les avais emmenés chez Goodwill, mais là, je pense que là, ça va pas du tout, du coup. Donc, je pense que je vais aller. De toute façon, il faut que j'aille chez Goodwill, parce qu'il faut qu'on aille chez TJ Maxx lui acheter des fossiles, parce que c'est là-bas que j'aime bien les avoir. Ça, c'est le truc qu'on a acheté la semaine dernière, vous avez dans le Cali. J'ai mis du coup le dodo d'Oreo, qui est normalement exactement à la place du sapin, là. J'ai sorti ses jouets de Noël. Là, j'ai mis le petit plaid de Noël en avant. Ça, c'est un petit truc qu'on avait acheté à une copine. Fait du crochet, il est là, Anne-Sophie, si tu passes par là. Le bac à joujou d'Oreo qui est là. Là, j'ai mis, voilà, je vous dis, j'ai mis des petites touches. J'ai mis la guirlande que Virginie m'a acheté, que j'adore là. Ces placards-là, on les ouvre jamais. Il y a juste le truc de français de Lana, mais bon, je peux ouvrir quand même. Hein, c'est pas du tout, c'est juste calé dans les plans. Donc, je soulève, je ouvre. Mais je vous dis, je l'ouvre une fois par semaine ce placard. Donc, c'est pas très embêtant. Nico m'a mis le fond cheminée. Petit nœud, petit Père Noël, voilà. Et en fait, la déco, c'est là que je suis un peu dégoûtée, c'est que ma déco de cheminée, je peux pas la mettre au-dessus de la cheminée. Enfin, je peux techniquement, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vraies flammes et ça chauffe énormément. Et en fait, j'avais jamais capté, mais mon California Dream là, il est brûlant. Donc en fait, là, mettre les chaussettes de Noël, ça aurait été magnifique, mais c'est un peu dangereux parce que le mur est vraiment extrêmement chaud. Donc tant pis, j'ai mis en dessous. C'est pas ouf, c'est par terre, mais j'avais quand même envie d'avoir mes petites décos que j'aime bien. Donc voilà, c'est comme ça. Avec la cheminée, c'est très joli. C'est vrai qu'on aime bien l'avoir allumée. Et là, Lana, elle m'a mis du ruban autour de l'horloge. Et moi, j'ai ajouté le petit nœud. Oui, alors voilà, il fait chaud. Mais ça, je vous dis, c'est la cheminée. Hein. C'est... Après, le mur est un peu chaud. Mais il est beaucoup moins chaud que devant. D'ailleurs, là, il est plus froid que là. Donc, je sais pas à quel point... Enfin, je sais même pas où il prend la température, en fait. Mais il fait pas 28 degrés 5 dans la maison, quand même. N'abusons pas. Et là, j'ai juste mis elle, qui est là. Et c'est tout. Et Monsieur Bétis, on les fait plus. Hein. Enfin, les elfes sont à la retraite. Parce que Lana est trop grande. Donc, ils sont là. Ils restent avec nous, mais ils font juste joli. Donc, voilà, la petite déco. Ah, c'est cute, comme ça, vu comme ça. Petite déco de Noël 2024, c'est parti. Qu'est-ce que t'as ramené? C'est quoi que t'as dans ta bouche? Ah, rien. Ah ouais, il retrouve ses jouets du coup. Bah, tu sais, ils étaient dans le truc là. C'est Joujou? T'es donné à maman? Là, les Joujou. Ah, celui-là, il adore. Hein, Amandine, si tu passes par là. C'est bon? T'arrives à la voir? Allez, donne à maman. Pas chiqué. Et voilà. C'est beau, hein? Moi j'aime bien, ça me plaît. Il était bon? Il vient de manger. Il était bon? Mère? Creux? Dis! C'est un vernis? Non, mais il est tout petit, mamie. Et t'es sûre que le 2, c'est pas ce qui s'est passé aussi, que t'as ouvert un sans faire exprès? Ben, c'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, là, elle a ouvert, il y en a un qui s'est décalé. J'ai touché les autres, il y en a un là, et il y en a toujours un là. Parce que c'est bizarre que t'en aies eu deux le même jour, quand même. C'est bizarre. C'est un petit vernis. J'ai toujours pas mis le mascara dans mon... Oh, c'est moi qui fais ça? Pardon. Je vais le mettre tout de suite. Il faut qu'on aille absolument acheter des fossiles, là-bas.
je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. La gourmette de mon papa que j'avais récupérée, qui avait le fermoir complètement cassé. Et ma belle-mère, elle connaît une bijoutière et elle a réussi à la commander parce que ça se fait plus les fermoirs comme ça, de grosses gourmettes comme ça. Donc elle m'a mis un fermoir tout neuf. Voilà, on dirait qu'il est rayé parce qu'il est en plein soleil, mais il est absolument tout neuf. Et elle m'a enlevé des maillons parce que c'était 4 fois trop grand pour moi. J'ai un poignet absolument minuscule. Enfin, j'ai des poignets minuscules, vraiment, vraiment tout petits. Et elle me l'a nettoyée parce qu'elle était pourrie. Elle était vraiment dans un piteux état. En fait, le fermoir était complètement défoncé. Je sais pas, il avait dû s'accrocher ou quoi. Le truc était complètement ouvert. Enfin bref, je suis trop contente. Elle me l'a nettoyé. Il est trop beau. Donc voilà, j'ai mon petit papa toujours sur moi. Je crois que je l'enlèverai jamais, quoi. Franchement, voilà, avec le reste. Le premier, c'est Virginie qui me l'a acheté avant que je fasse le Grand Canyon. Le rose, c'est ma Bella qui me l'a fait. J'ai le tatis, il faut que je le refasse parce que l'élastique qu'elle m'avait fait, il a pas tenu. Donc, il faut que je le refasse. J'ai les perles et tout. Le Nicilla, c'est moi qui l'ai fait. Le strength, c'est Virginie qui me l'a offert avant mon semi, avant l'enterrement. Enfin, c'était le même jour, enfin, le jour où je suis rentrée en France, quoi. C'est pour la semaine qui était assez... compliqué. Et le dream, c'est juste quand j'ai acheté des perles et il y avait celui-là autour du pot. C'était un exemple. Voilà. Donc je l'ai mis. Puis depuis, il est là. Ça fait très longtemps qu'il est là d'ailleurs. Et voilà. C'est mes petits bracelets du moment. J'aime bien les filmer régulièrement parce qu'ils changent. Voilà. Il y en a qui se cassent, il y en a qui s'ajoutent et tout. Mais voilà. Je suis contente. Elle est pile poil à la bonne taille. Pas trop serrée, pas trop large. Là, je la perds pas. Et voilà. Je suis trop contente d'avoir ça toujours sur moi désormais et partie de l'autre côté. Yeah. Bref. Voilà, trop contente. 5, 6, 7, 8, jeudi! Je vous reprends, nous sommes jeudi. Je suis allée courir ce matin. Et depuis, j'ai mal à la tête, c'est assez atroce. En tout cas, je vous reprends cet après-midi. Je vais aller avec Lana faire les magasins parce qu'il faut absolument qu'on achète des fossiles pour sa compète. Et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu, ce qu'on a reçu, enfin ce qu'elle a reçu à l'entraînement. C'est les commandes qu'on avait fait en ligne. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors on a reçu les stickers. C'est plus facile avec deux mains. Donc j'avais pris des stickers, voilà, avec le logo du club. Il y en a un, je pense que je vais le mettre sur ma voiture. Et l'autre, en fait, je l'ai pris pour mettre derrière. Donc je me suis pris un nouveau clipboard pour les compètes. Voilà, d'ailleurs j'ai déjà imprimé, voilà. Donc je vais aller le mettre là, quelque part, par ici. Voilà. J'ai imprimé l'emploi du temps de la compète et elle a qu'un seul concurrent, mais elle est pas mauvaise, donc on va voir comment ça se passe. Bon, je vous parlerai de tout ça dans la compète, dans le vlog de la compète. Elle a reçu, j'avais pris pour elle, parce qu'elle adore, vous savez, c'est la mode ici aux États-Unis, hein, les bas de pyjama qui se sortent pour aller à l'école. Hein. Comme ça, je suis contente parce que c'est la bonne taille. Alors, il est un peu trop long, mais il est bien à la taille. Souvent, la NAS, le problème, c'est la taille. En plus, il y a des poches, donc il est vraiment top avec écrit voilà le nom de son équipe. Je vais aller tout de suite mettre son nom. Je vais mettre le nom partout d'ailleurs. Ensuite, j'ai reçu 2 pulls, un pour elle, un pour moi. Pour alors voilà, aux compètes, elle, je lui ai pris à zip parce que pour pas abîmer ses cheveux, parce que si elle met un pull sans zip. Dès qu'elle enlève, elle va flinguer la coiffure que je lui ai faite. Donc voilà, il y a le logo du club devant et derrière. Magnifique. Magnifique le derrière. Il y a le logo de son équipe qui est trop beau. Voilà, parce que vous savez, le thème c'est déesse de la guerre. Donc ça, c'est leur logo officiel avec les épées comme ça. Il est trop joli. Il est vraiment très chouette. Et là, je ne sais même pas si elle a vu ça. Je ne sais pas si elle a vu qu'il y avait écrit Lana avec le cœur du club pareil. Hop, Lana. Comme ça. Voilà. Donc il est trop. Je pense vraiment qu'elle a pas vu le. Qui est son. Bah, en même temps, j'ai pas besoin de mettre le nom, du coup il y a son nom, je suis nouille. Pour le bas de pyjama, je vais le faire par contre. Moi j'ai le même, exactement le même, mais sans zip. Voilà, parce que moi j'aime bien les pulls sans zip. Voilà, en plus grand évidemment. Et en fait j'ai écrit 16, mais j'aurais dû écrire Lana. J'ai pensé Jersey, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas mon nom que j'aurais dû écrire, c'est le sien quoi. Bref, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, très joli avec le logo en doré. Et j'ai reçu mon jersey. Lana va en recevoir un qui est offert à toutes les athlètes. Donc, il est comme ça. Alors là, je ne vais pas le mettre ce week-end, clairement, parce qu'il fait 3 degrés. Mais pour les compètes, quand il fera un peu plus chaud au printemps, j'ai le débardeur de la saison qui va parfaitement avec. Et derrière, par contre, il n'était pas personnalisable. Il y a écrit « Since », donc depuis 2006. Voilà, on a tous le même derrière et les filles, je vous dis, vont l'avoir aussi. Et voilà, donc là, on est fin prête pour... on a tout ce qu'il faut largement pour
Bah pour aller en compète, en fait, là, c'est pareil. Je vais mettre le nom de Lana dessus, même si c'est moi qui le porte. Moi, j'ai pas des étiquettes à mon nom, mais je mets celui de Lana, du coup. Oh, magnifique. Trop beau. Donc, voilà. On est ready. Faut que... Je vais d'ailleurs faire ma valise, là. Je vais mettre les noms, puis je vais aller faire ma valise, faire, commencer à préparer tranquillou. Et je vous dis, c'est après, on doit aller faire les magasins pour compléter. Parce que, voilà, elle a plus de colle à fossiles, et elle a presque plus de fossiles. Je crois qu'elle en a plus que deux paires. Je dirais que ça suffit pour ce week-end, mais il y en a une qu'on a déjà utilisée. J'ai toujours peur que ça colle pas bien. Et il faut qu'on reprenne des fossiles. On va faire le stock. Et il faut que je trie parce qu'il y a des trucs qu'on ne se sert même pas, des rouges à lèvres d'autres saisons. Voilà, il y a tous les rouges à lèvres de toutes ces saisons-là. Donc là, clairement, ça, ça sert à rien. Et celle-là, c'est de la colle à fossiles, mais qui, enfin, elle marche plus. J'arrive plus à faire sortir le produit. Je pense que c'est tout sec dedans, tellement ça fait longtemps qu'on l'a. Ça, c'est le fameux mascara qu'elle a eu dans le calendrier d'avant. Il y a deux eyeliners, là, dis donc. Enfin bref, on va faire un tri parce que c'est elle ou moi qui portons et des fois c'est très lourd ce truc là donc voilà. Bref, on prend tout à l'heure en mode shopping. Bon, on est sur les boules. C'est le mal hein, cette période. On met ça comme c'est beau. C'est trop beau. J'ai pris des serviettes pour les mains et c'est possible. Voilà, il n'y avait pas des gros packs. Généralement je prends des gros packs mais il n'y avait pas. J'ai pris ça pour mes mains, pour la salle de bain. Ils sont magnifiques leurs papiers cadeaux. Regarde les cupcakes là de Noël, c'est trop beau, les Stitch de Noël. Je n'aime même pas Black Friday ici. Mario. Ah ouais, j'ai pas pensé. Allez, il y a des fans de Stitch. C'est lequel que t'aimes bien ? Moi j'ai pris lui, il est trop magnifique. C'est des énormes, énormes tubes. Non mais trop beau. Trop, trop beau. C'est quoi que t'aimes bien lui ? Non ? Moi j'aime bien celui-là, là. Prends ça, j'adore. Très beau. Oh, et regarde, apparemment ça s'allume. Oh là là, j'adore. Oh, j'adore. Je suis trop fan, c'est trop beau. J'en ai absolument pas besoin, je sais pas où vous mettre ça, mais. Ah oui, il y a des disco balls de partout. Partout, partout. Maman. Regarde. Regarde, elles sont là. Ah oui, elles sont plus Noël, celles-là. Et ça, c'est Noël. Ça, c'est oui, Noël, c'est les couleurs de Noël. Marie-moi. C'est une arnaque, il y a rien dedans. Non, mais marie-moi. Marie-moi. Avec du Dove. On a acheté des miniatures pour la compète. Mais j'ai pas pris de caddie. J'ai pris des coussins, je vous montrerai. Regardez, je voulais vous montrer ça comme elles sont trop belles. Enfin la 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 la. Elles sont magnifiques ces boucles d'oreilles. Oh les toutes petites pinces. Elles sont trop cute, regardez, elles sont bien tout. Alors, si vous voyez qu'un. Alors, bah, ma fille va comme ça au collège. Hein. C'est la mode ici, je vous dis, le pyjama là qu'elle met en pantalon. Et par contre, le pull, on en parle ou pas? Peut-on parler du pull qu'elle a sur elle? Elle m'a piqué ce matin. Hein? On peut en parler ou pas? Ah ouais, fais genre, tu m'entends pas. Il y a écrit quoi sur ton pull, Lana? Tir. Oui, il y a écrit Lana. Ça, on est d'accord. Oui. Mais elle, je vous jure, est... Mon Dieu. Elles sont pas trop belles, les boucles d'oreilles? Sont un peu grosses par contre, genre celles-là elles sont énormes. Bref, allez, on va les payer parce que l'enfant a des devoirs. Oh, les crunchy, les petites cornes. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la fête, toi t'as des cadeaux à domicile qui arrivent comme ça? Attends, tu peux pas te mettre ailleurs parce que j'ai trop de ma table. Toi, là. Ça suit pas, hein? Ah non, 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 il y a trop de bordel. C'est là en bordel, hein? Qu'est-ce que. Oh! Target. Il est pas trop beau, ah, c'est un vrai en plus. Oui. C'est un vrai. Target. Mais non. Merci. Bah, de rien. On dit pas il y a Target il y a deux secondes. Bah oui, j'avais peur qu'on le voit mais on l'a pas vu. J'ai vu l'autre jour, j'ai pensé à toi. Trop rigolo. Il est trop joli. Oh. T'as vu le pull qu'elle a, il est beau hein. Ouais. Ouais. C'est beau, Cheer Mom, Lana. Bah écoute, il y a son aussi. Prénom dessus. Hein. Ah oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui, il y a écrit Cheer Mom surtout. Trop, fais voir. Fais voir la boule qu'il a. Oh, il est trop cute. Alors, je disais. Oh putain, j'ai des bruits de vaisselle. C'est pas terrible. Ah, alors, bon, bref, il est 19h33. Nous sommes en train de tout refaire cette trousse de compète. Voilà. On a trouvé ça chez Target. Alors. Oui, c'est pas le top niveau écologie, parce que c'est des petits trucs individuels, mais on a notre liquide qui est à la limite du 100 ml, parce qu'on met en carry-on, et clairement, le gros truc comme ça, il est super lourd, il prend vachement de place, donc voilà. Après, on s'en sert
normalement pas, on n'est pas censé s'en servir. C'est vraiment au cas où, parce que Bibi, elle aime bien être sûre d'avoir des solutions. S'il y a un petit problème en urgence, un eyeliner qui part en live ou quoi, généralement, j'ai pas besoin de m'en servir, mais bref. Là, j'ai mis mes deux petites laques de voyage. Là, j'ai regroupé, parce qu'en fait, tout était un peu éparpillé. Là, c'est pareil, j'ai enlevé la grosse boîte, parce qu'en fait, cette année, elle a plus besoin, normalement. Elle a pas une coiffure qui nécessite d'avoir 150 milliards de pins. Donc en fait, voilà, j'en ai gardé quelques-unes. Normalement, on n'en met absolument aucune. Mais au cas où, en fait, il y a beaucoup de au cas où, vous allez voir. Donc des chouchous de toutes les couleurs, mais le noir, il suffit. Là, c'est les peignes, ça, par contre, c'est très... Alors ça, cette année, j'en ai... La nage, on le prend, ça ? C'est quoi ? La brosse qui me servait pour ton ancienne coiffure ? Prends, voilà. On aime bien prendre des trucs qui servent à rien. Ouais, mais c'est... je m'en sers pas, là. Je me sers que de celui-là. Celui-là, par contre, c'est le... D'ailleurs, il faut que je le lave, il est dégoûtant, il est plein de lac. Que dès que je m'en sers forcément. Oh, non, parce que là ça tient pas. Donc ça c'est la super brosse qui permet de ne pas lui faire mal. Non, vraiment ça tient pas. En plus il est dangereux comme tout ce peigne. Là c'est la pochette. J'arrive, on arrive. Pochette secrète, c'est son nœud. Très important. Alors ça c'est plus qu'important. Si elle oublie ça, ça va pas le faire. Du coup là c'est tout ce qu'on garde. Mais allez, on va laver les petites pochettes qui sont dégoûtantes. J'ai fusionné les cils parce que ça prenait une place de dingue. Donc j'ai coupé les boîtes et voilà. Ça c'est pareil, on a gardé que ce dont elle a besoin. Bon, il y a des rouges à lèvres, mais bon, on a enlevé les rouges à lèvres des anciennes saisons qui clairement ne sont pas adaptées à la couleur de cette année. On a enlevé le miroir du Maroc qui est trop petit. Le crayon, elle veut plus en mettre. Et ça, c'est un eyeliner, mais du coup, là, il y en a déjà deux. Donc voilà. Enfin, on a enlevé vraiment tout ce qui était inutile. On va changer les cotons-tiges parce qu'ils sont défoncés. Et voilà, ça va nous permettre d'avoir moins de choses. Elle est en train de laver tous ses pinceaux. C'était pas du luxe parce que je crois qu'on les a à peu près jamais lavés. C'est pas bien du tout. Ah, c'est vrai qu'ils sont tout doux, ils sont tout blancs maintenant. Oui, on arrive là. On fait une pause, on va manger. Et en fait, j'ai un côté maquillage, un côté coiffure. C'est comme ça que ça marche. Mais du coup, ça va être beaucoup plus light et ça, c'est trop bien. Parce que franchement, elle était trop grosse et elle était trop lourde. Et Nico nous a concocté un bon petit repas. Il y en a un qui est là, hein. Il est prêt. Hein. Ah, oui, ça truc, ça remet toute seule. Il se lâche les babines là, regarde. Regarde-le là. Ah. Oui, il y a du filet mignon. Donc filet mignon, frites pour certains, Taylor Tots pour d'autres. Pourquoi t'as les Taylor Tots, toi ? C'est Lana. C'est Lana, au lieu des Taylor Tots ? Moi, j'ai pas de mayonnaise. Bref, on va manger ? Toi, après ? Et qu'est-ce qu'on dit, Bona Bona ? Il est tellement prêt. Toi ? Ah, oui, il est toi prêt, là. On fait sa tête de malheureux, mais il est prêt. Bona Bona. Petit. Ouais, je t'ai pas filmé encore avec ta coupe. Je l'ai bien réussi. Je suis plutôt fière de moi. Non, je suis extrêmement inconfortable, mais au moins je suis dans la chemise qui chauffe. Je me pète le dos là. Voilà, Nico il est grand fan de cette chemise. Grand fan de cette chemise. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens conclure ? Bon, je vais vous laisser là, comme ça demain matin je monte ce vlog et je vous le poste dans la foulée avant de partir à Auckland et de vous faire un vlog compétition. Un vlog Auckland, allez. Pardon. Portland. Oui, mais... Oh, oui, je t'aime. Portland. Nico, il restera là parce que, comme vous pouvez le voir, il a des choses à faire. Il va garder le fils qui va sortir pendant 3 heures tous les jours. 3 heures minimum. Ouais, je me suis ni coiffée ni maquillée aujourd'hui. Bref, en tout cas, on espère que le vlog, il vous a... Plus, hein. Oh, tiens, je suis en train de travailler. Déjà, c'est pas l'heure de travailler. Il est 21h. Non, mais c'est pas le genre de boulot que j'ai. D'accord, moi, ça, on avait compris. Moi, j'ai pas un 9 à 5. Hein. Oui, ça, on avait compris. Ouais, voilà. Ça fait très longtemps qu'on a compris. Voilà, donc, on espère que le vlog il vous a. Plus. Hein. Lana, tu peux répondre aussi. On t'entend de là-haut. À deux. Oh. Et bis. Oh. Lana, t'as pas répondu. Elle est en train de préparer sa valise. Il faut surtout pas mettre du liquide, hein, Lana. Bref. À demain. Bisous.